c'est Lucien. Moi, c'est Lucien. Ok. Et puis j'habite en Seine-et-Marne. Ok. Puis toi, c'est quoi? Et moi, c'est Nora. J'habite aussi en Seine-et-Marne. Nora, ok. Donc toi, c'est les flash-bulles. Moi, c'est les flash-bulles et la flûte, ouais. Et la photo. La flûte, je fais de la flûte. La flûte, elle joue de la flûte. Puis tu joues quand tu marches? Ça m'arrive, ouais, quand j'y pense. Attends, je dois faire un coup. Qu'est-ce qu'on donnait, Lucien? Ok, ok. 38e jour. Ah ouais, 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 c'est bon. Chercher chez toi, Emmanuel Macron, oh quelle tête de con, on va te chercher chez toi, bravo, Emmanuel Macron, de pauvre petite gosse, la 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 la. Oui, fais gaffe. Fais gaffe, Louis. Fais attention, Louis. Attention! Va pas tomber, petit Louis! Ouais, ouais! Il est là, mon petit Louis! Ouais! Ouais! Bravo, Louis! Ouais! Là, les syndicats, je comprends pas pourquoi ils vont aller négocier avec Macron. Les syndiqués ne veulent pas, ils veulent tout simplement abandonner le projet. Pourquoi les syndicats veulent négocier? Il n'y a rien à négocier. La seule chose qu'il y a à faire, c'est d'abandonner purement et simplement la réforme, le projet de la réforme des retraites. Voilà, c'est pas plus dur que ça. Ils vont tous signer. Mais oui, mais les syndicats, les patrons des syndicats, ils ne mordent pas la main de leur maître. N'oublions pas qu'ils sont subventionnés par l'État. Donc un chien ne mord pas la main de son maître. Hein. C'est lui qui lui donne à manger. Moi, j'ai aucune confiance à les syndicats. De toute façon, ça fait 2 ans qu'ils sont au courant de ça. De comment? Ça fait 2 ans qu'ils sont au courant. Mais oui, bien sûr. Mais déjà, Sarkozy voulait le faire. Mais il a pas eu les couilles, Sarkozy, tout simplement. Hein. Voilà pourquoi. Hein. La CGT, au 1er mai, quand ils ont débarqué du car de la CGT, quand Patrick Hernandez est descendu, quand il a vu qu'il était pris par les photos, il posait pour les photographes, et après, quand ça a commencé à gazer, quand ça a commencé à aller mal, eh ben, il est vite remonté dans son bus et il est parti en courant. Hein. Ah, ils sont bien représentés, nos pauvres syndiqués, avec des mecs comme ça. Des gens qui n'ont pas de couilles, des gens qui ne sont pas capables de dire merde à Macron. Parce que lui c'est pareil, les dirigeants des syndicats, n'oublions pas qu'ils sont subventionnés par l'État français et qu'un chien ne mord pas la main de son maître. Les syndicats, forcément que les présidents, les directeurs des syndicats ne vont pas aller contre Macron, forcément. Ah non, c'est lamentable. Moi, j'ai aucune confiance en les syndicats, Oh,
La 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 la, les gilets jaunes. La 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 la, allez, allez-y. Les gilets jaunes. La 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 la, les gilets jaunes. Ah mais le rouge là, ça gâche tout. Non, c'est beau. Non, non, mais non. Pas qu'une. Non, mais il y a plein de gens heureux quand ils voient le drapeau. Il y a beaucoup de gens qui aiment. Ah ouais, mais c'est. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de drapeaux. Genre de drapeaux de jaune. Il faut en faire, il faut en fabriquer des drapeaux. Ouais, pour les porter. Eh ben oui, ben si oui. Si tu viens en train ou en bus. T'es pas un petit peu corse, toi, sur les bords. Non, mais tu peux pas. Évidemment, pour le porter. Il y a eu une petite bêtise, quand le touquette a brûlé, etc. Bon, on était dans les... Et là, il y a des... Il y avait une femme grecque qui a... Ah, il faut prendre la photo. Elle prend la photo, je voyais. Et puis elle me dit, ah, je voyais que ça faisait plaisir. J'ai donné mon gilet jaune. J'ai dit, vous en avez besoin en Grèce. Elle était toute contente et tout. Alors j'en ai un, tiens, regarde. Là. C'est la dernière petite poche. La dernière petite poche, là. Non, toute petite en bas. Toute petite en bas. Regarde pas qu'est-ce qu'il y a. Il y a nouvelle. Et quand tu fais la dernière, on avait des pics partout, etc. On était comme ça, mais quand on a commencé à gueuler, on y est. La dernière, je peux dire, le garde du Nord, on leur a fait du mal. Crois-moi. Pacifique, bon esprit, et ils étaient totalement débordés. On les avait débordés, garde de l'Est, garde du Nord. Et garde du Nord pour ça chanter. T'as vu les bandes? Est-ce que t'as vu les bandes? Moi, alors, non, mais je connais des gens qui suivent en direct. Ah, je peux dire, ça a été géant, garde après, ils ont gazé, garde de l'Est. Bon, je suis restée un petit peu, puis je suis partie. Ils ont mis 30 après, garde de l'Est. Mais nous, quand on a vu ça, parce que justement, eux, ils sont rentrés, gars. L'objectif, c'était vraiment tranquille, pas de... Ça les a occupés. Et nous, derrière, on est partis tous sur Gare du Nord. Et regarde les vidéos. T'as des vidéos Gare du Nord. Moi, j'ai réussi à faire ça.
Macron, c'est pas fini, c'est nous qui allons te finir. Macron, c'est pas fini, c'est la rue qui va te finir. Vous filmez là ? Ça marche ? Oui, mais c'est pas un live. Ah. Ça des petites vidéos, mais c'est pas des photos, tout ça. Puis là, c'est avec les vidéos, c'est vraiment en train de faire une petite vidéo. D'accord. Ça des vidéos de. Je rappelle un mot québécois, rembrouillé. Merci à vous d'être là. Vous aussi, madame, faites attention à vous. On a un petit ballon dans le cœur. Ça fait vraiment chaud.
smoking your pot in a certain designated place. And no good hair spot. Yeah, it breaks down like this, okay. It's legal to buy it. It's... Thank you.
Les femmes juives doivent donner. Madame. Capital,
mais pour la société et que tout le monde puisse en profiter. En toute solidarité. La répartition des richesses, c'est ça le plus important. Exactement. Parce et que, contre la fraude fiscale. Voilà. Et aujourd'hui, qui capte tout. Aujourd'hui, les machines, elles travaillent. Elles font le travail que les hommes n'ont plus besoin de faire. Donc il ne faut pas nous dire qu'on est obligé de travailler plus. On devrait au contraire beaucoup moins travailler et de rendre les machines esclaves et non pas les hommes esclaves des machines. Ils ne connaissent pas le mot bonheur et démocratie, ils l'ont éliminé. Ils l'ont bien sûr. D'ailleurs, chez nous en France, avant on disait, en parlant de la police, on disait les agents de la paix. On l'appelait, ça s'appelait comme ça. Aujourd'hui, ce sont les forces de l'ordre. On voit bien que tous les mots ont changé. Il faut faire attention à ça. Thank you.
Kurva fucking drink. Sorry, I'm sorry.